Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes petits plats de tous les jours. Je vais préparer aujourd'hui pour le dessert une tarte choco-banane. Alors, il me faut comme ingrédients. Donc, une pâte feuilletée, deux œufs, 100 g de chocolat noir, l'équivalent de 3 bananes coupées en tranches fines, un yaourt nature et 50 g de sucre. Voilà. Alors tout d'abord, je vais aller mettre le chocolat noir à fondre au micro-ondes. J'en profite également pour mettre le four à préchauffer, donc thermostat 7, température 210 degrés. J'étale la pâte feuilletée dans le moule à tarte. Je pique la tarte pour éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. Donc cette tarte va cuire au four pendant 20 minutes. Maintenant, je vais étaler, disposer les bananes tout autour sur la pâte feuilletée. Presque terminé. Maintenant, je vais me servir du chocolat fondu et le mélanger au sucre, au yaourt nature et aux deux œufs. Alors, le chocolat fondu. Yaourt blanc nature. Les deux œufs entiers. Et les 50 grammes de sucre. Je mélange bien et ensuite je vais disposer ceci, ce mélange, sur des bananes. Ensuite, je passerai au four . Le mélange est bien homogène. Je le dispose sur les bananes. La recette est terminée, je mets maintenant la tarte à cuire au four. La tarte choco-banane est cuite. Voilà. Voilà. Donc cette tarte, vous la laissez refroidir. Vous la découpez lorsqu'elle est bien refroidie, mais vous pouvez aussi la manger tiède. N'oubliez pas de liker, de partager sur les réseaux sociaux. De laisser vos commentaires aussi si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À très bientôt!